Alléluia. Amen. J'ai une furaha. Unayo furaha. Êtes-vous dans la joie? Amen. Unapenda kunisikia? Est-ce que vous voulez m'écouter? Amen. 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 Unanipenda? Est-ce que vous m'aimez? Amen. Amen. Kabla ya kunisikia kwanza ni vizuri unipende. Avant de m'écouter, il serait mieux pour toi de m'aimer. Kama unanipenda utapenda na neno nitasema. Si tu m'aimes, tu vas aimer ce que je vais te dire. Kama haunipende utachoka. Si tu ne m'aimes pas, tu vas te fatiguer. Amen, amen. Amen. Lakini najua unanipenda. Mais je sais que tu m'aimes. Yo. Oh. Amen. Amen. Uwe tayari kunisikia. Êtes-vous prêt à m'écouter? Uko tayari? Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Kama uko tayari, fanya mkono wako. Si tu es prêt, lève ta main. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Sina maneno mengi ya kuendelesha kusema. Je n'ai pas grand chose, beaucoup de choses à nina pouvoir dire. Nina ujumbe kwako jioni ya leo. Mais je veux te dire pour ce message d'aujourd'hui. Ambao Mungu amenipatia kwa kila mtu. Le message que Dieu m'a donné pour chacun ici. Kwa jina anaitwa Mama Domitila. De mon nom, on m'appelle Maman Domitila. Nabibone. Mimi ni mzaliwa wa Congo. Moi je suis né au Congo. Région ya Kivu. Dans la région du Kivu. Nilizaliwa mwaka wa 1951. Je suis né en 1951. Siku na tarehe sijui. Je ne sais même pas le mois et le jour. Maana nilizaliwa ku village. Parce que je suis né au village. Ilipofika fika mwaka wa 1967. En 1967. Mimi nikaolewa. Je me suis marié. Lakini nilipozaliwa. Mais quand je suis né, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. Mes parents m'ont enseigné la religion. J'ai grandi dans la religion. Je me suis marié dans la religion. Je me suis marié dans une église. Et j'aimais beaucoup ma religion. Et quand je me suis marié, mon mari aussi était de la même religion que moi. Et lorsque nous sommes mariés, nous vivions à côté d'un groupe de protestants. Mais nous étions catholiques. En aucun jour j'ai été dans l'église protestante. Parce que j'ai été prêché par ma religion. Et j'aimais beaucoup ma religion. Et j'ai mis ça dans ma tête. Et j'étais fier de ma religion. Parce que je me disais que c'était la religion qui venait chez Dieu. Oh, j'étais tellement fier de ma religion. Mais bien aimé, je t'ai dit, la religion c'est une chose et se convertir c'est autre chose. Tu peux avoir la religion et tu n'as pas Jésus. Tu vas aller à l'église mais tu ne vas pas au ciel. La religion et le salut, c'est deux choses différentes. Moi, j'étais quelqu'un dans une religion vraiment. Dieu avait vu mon cœur. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Je me reposais chez moi dans la maison. Je me reposais en dormant un peu. J'ai entendu dans mon rêve quelqu'un a frappé à la porte de ma maison. La personne m'a appelé Maman Domitila. Viens vite m'ouvrir. J'aimerais entrer dans ta maison. Moi j'ai couru. Je suis allé ouvrir la porte. Avant même d'ouvrir la porte, il m'a dit attends un peu.
Tu cours pour venir m'ouvrir. As-tu bien nettoyé ta maison? Pour que je rentre et que je puisse te parler. Je me suis retourné. J'ai regardé à l'intérieur de ma maison. J'aimerais que tu m'écoutes bien. J'ai bien dit ma maison. J'aimerais que tu puisses penser à ta maison. J'ai regardé à l'intérieur de ma maison. J'ai vu la saleté incroyable. De haut jusqu'en bas. J'ai regardé autour. J'ai vu, c'est comme si c'était une maison qui était inhabitable depuis un an. C'était tellement sale. La maison sentait tellement mauvais. Je lui ai dit, bien-aimé, je ne peux pas te mentir par rapport à ma maison. Ma maison est tellement sale et elle sent mauvais. Il m'a posé la question. Toi, tu dis tu es un être humain. Comment peux-tu vivre dans une maison sale? Je lui ai dit, moi, je ne savais pas. Il m'a dit, écoute, je vais te dire. Moi, je suis saint. Je ne peux pas rentrer dans une maison sale. Mais j'ai un message pour toi. La raison pour laquelle je ne rentre pas dans ta maison, je te laisse une parole. Va chercher la Bible. Lis 1 Pierre 4, verset 3. Jusqu'au verset 7. Et cette personne est partie. Je n'ai plus revu. Moi, je sursautais. Je suis allé à la porte. J'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Je suis allé en arrière de ma maison. Je n'ai vu personne. Je me suis posé la question. Est-ce que ça c'est un rêve? Est-ce que c'était un être humain? Bien-aimé, j'ai écouté la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, ne dors pas. Essaye de savoir qui t'a appelé. Que Dieu te bénisse. Je n'ai vu personne. Je suis rentré dans ma maison. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je devrais faire? Cette personne est partie où? Je ne l'ai plus revue. Je me suis rappelé qu'il m'a dit quelque chose par rapport à la Bible. Moi, je ne savais pas lire. Moi, je ne sais rien de concernant la Bible. Je voyais seulement la Bible sur la chaire à l'église. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rappelé d'un jeune. Je l'appelais protestant. Il était un homme qui prêchait la parole. Il allait maison après maison pour prêcher la parole. Et ce jeune garçon, je l'ai tellement détesté. Et j'ai dit que cette personne a fait manquer aux gens la paix. Mais ce moment-là, j'ai commencé à penser à ce jeune homme-là. Je suis allé le chercher. Je l'ai trouvé. Chaque fois, il était toujours en train de lire sa Bible. N'aie pas peur de te promener avec ta Bible lorsque tu te promènes. Même au travail, prends ta Bible. Même si au Canada, on ne veut pas qu'on puisse prêcher, mais s'il te plaît, marche avec ta parole, avec la Bible. Et ces jeunes-là, je leur posais la question. Est-ce que dans ta Bible, est-ce qu'il y a 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, il a accepté. Je lui ai dit, si tu peux lire pour moi. J'aimerais qu'on puisse lire un peu. On ne va pas tout lire, mais on va quand même lire un peu. 1 Pierre 4, verset 3.
C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivronnerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Amen. And then, no, what here to happen? Mm-hmm. Amen. Akanisomea. Il a lu pour moi. Aliponisomea sikuelewa. Malgré qu'il ait lu pour moi, je n'ai rien compris. Inasema nini? Qu'est-ce que ça voulait dire? Nikaanza kufikiri ndoto yangu na ile maneno haviko pamoja. J'ai essayé de mettre ensemble mon rêve et le message, mais ça ne correspondait pas. Nikamfasilia ndoto yangu. Je lui ai expliqué mon rêve. Kijana akaniambia. Le jeune garçon m'a dit. Mama Domitila. Mama Domitila. Ile nyumba uliona. Cette maison que tu avais vue. Haiko ile nyumba yako inakaa. Ce n'est pas la maison où tu habites. Roho yako. C'est ton cœur. Na ule uchafu uliona. Et cette saleté que tu avais vue. Ni zambi zimo ndani mwako. Ce sont les péchés qui sont en toi. Na yule moto amegonga. Et cette personne qui avait frappé. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Maana katika kitabu ya Ufunuo anasema. Parce que dans les livres de Apocalypse. Tazama nasimama mulangoni. Le maître se tient à la porte. Ninagonga. Il frappe. Moto akisikia sauti yake. Celui qui entend sa voix. Na kunifungulia. Et ouvre la porte. Nitaingia. Il rentrera. Nitakula naye. Jésus dit qu'il va manger avec toi et toi avec lui. Nikamwangalia sana. J'ai regardé beaucoup ce garçon. J'ai ri. Nikasema wewe kijana. J'ai dit jeune garçon. Wewe ni mjinga. Toi tu es un tu es naïf. Moi, je suis né dans une religion. J'ai grandi dans une religion. Je suis chrétienne 100%. Et lorsque je commets un péché, je me rends chez un prêtre. Il prie pour moi. Et il me donne un chapelet. Et il me pardonne mes péchés. Et à chaque dimanche, je prends la Sainte-Seine. Et ces péchés, d'où est-ce que ça vient? Je suis rentré chez moi. J'ai vu la tristesse dans mon cœur. Parce qu'on m'a appelé pécheur. Je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à la maison, je n'avais pas la paix. Je me suis rappelé de ma maison sale. J'ai pris le balai. J'ai commencé à nettoyer d'en haut jusqu'en bas. J'ai nettoyé chaque chose. J'ai retiré tout ce qui était mauvais. J'ai tout arrangé correctement dans ma maison. Pour que ma maison soit propre. Oh, Dieu m'a vu comme naïve. Mon cœur a continué à être triste. J'ai tout laissé. Je suis allé maintenant prier. J'ai pris mon chapelet. J'ai commencé à faire mes prières. J'ai commencé du début à la fin. Je n'avais toujours pas la paix. Je suis allé vaquer à mes occupations. J'ai manqué toujours la paix. Mungu kama anakutafuta ndugu. Tu sais, bien aimé, lorsque Dieu te cherche, peu importe là où tu te caches, il va te suivre. Il va te suivre. Il va t'en ramener et te faire de toi comme lui veut que tu sois. Alléluia. Amen. Je suis rentré à la maison. J'ai continué à vaquer à mes occupations. Je n'avais toujours pas la paix. Je suis encore allé prier. Je suis retourné une deuxième fois. J'avais beaucoup d'amertume. Parce que ma maison était sale. J'ai repris encore mon chapelet. Dieu ne voulait pas. J'ai refusé ça. J'ai jeté là. J'ai commencé à faire des prières de Marie.
Marie, niombeye kwa mtoto wako. Marie, prie pour moi à ton fils. Lakini yo maombi haikunitoa kitu. Mais malgré que je fais cette prière là, ça n'a rien changé en moi. Hata kusema maneno hayo. Mais je sentais que je ne voulais même pas dire ces choses. Lakini nampenda Yesu. Mais j'aime Jésus. Sa hiyo hiyo. En ce moment-là, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai été rempli du Saint-Esprit. J'étais catholique. J'aime Jésus. Tu regardes à côté de toi. Tu regardes la personne avec sa religion. Ne le juge pas avec sa religion. Dieu seul sait. Parce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en étant catholique. Mais ce que j'aimerais, Dieu m'a montré mes péchés. Toi tu es pécheur. Confesse tes péchés. Et tu les abandonnes. Confesser ses péchés, ce n'est pas seulement parler. Confesser ses péchés. Parler et abandonner. Il m'a dit, tu t'appelles un enfant de Dieu. Un être humain, mais tu n'es créature de Dieu, pardon, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu fait ce que son père veut qu'il puisse faire. Lève-toi, va confesser tes péchés. Je me suis relevé. Je n'ai pas cherché le prêtre. Je n'ai pas cherché mon bien-aimé à l'église catholique. Et je courus vers le pasteur. Parce qu'il y avait un pasteur qui habitait près de chez moi. J'ai confessé mes péchés. Et j'ai pleuré. Le pasteur a prié pour moi, excusez-moi. Et il m'a dit, maman, aie la paix. Ou sois tranquille. Dieu t'a déjà pardonné tes péchés. Ne retourne plus et ne fais plus les péchés. Et ne pleure plus. Je suis rentré chez moi. J'avais la joie dans mon cœur. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai senti que j'avais envie de prier Dieu. Lorsque tu viens d'être baptisé nouvellement, la seule chose que tu veux, c'est seulement prier. Et tu voudras aussi abandonner le péché. Aujourd'hui, nous sommes habitués du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes habitués à être chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes habitués à commettre le péché et en disant que demain nous allons nous repentir. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'oublie pas ton premier amour. Que Dieu te bénisse. Les gens m'ont regardé. Comment est-ce qu'une catholique a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que les catholiques parlent en langue? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et les protestants et les catholiques, ils n'ont pas cru que j'ai reçu ou j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque je faisais ce que le Saint-Esprit me disait de faire, et les gens m'ont tellement dérangé, j'ai commencé à fuir. J'allais dans la brousse, et dans la brousse je me mettais à pleurer. Dans la brousse je pouvais crier. Dans la bouche, je pouvais parler en langue. Et personne là-bas ne pouvait me déranger. J'aime beaucoup la brousse. Amen, amen. Amen. Yesu mwenyewe alipenda pole. Jésus-Christ aussi a aimé la brousse. Le village. Si tu veux être avec Jésus, sois proche des gens. Éloigne-toi de gens, pardon. Si tu veux être avec Jésus, éloigne-toi de gens. Tu ne vas pas entendre le bruit des gens. Là, tu ne verras rien. Seulement toi et Jésus. Alléluia. Amen. Yo.
Un jour, j'étais dans la forêt. Je suis parti matinalement. Pendant que les autres s'apprêtaient à aller au champ, moi, je suis allé dans la brousse. J'aimais toujours m'asseoir en bas d'un arbre. Dans un grand forêt, une grande brousse. J'ai prié le matin jusqu'au soir. Je sursautais. Je me suis rendu compte que j'ai perdu ma voix. Là où j'étais assise, j'ai vu partout, c'était clair. J'étais habillée comme je suis habillée comme ça. J'ai vu mes vêtements changer de couleur et devenir blancs. Partout, c'était très éclatant. J'ai commencé à regarder. Je me regardais. Je ne comprenais pas c'était quoi. Alors qu'au-dessus de cet arbre, il y avait comme quelqu'un. Et cette personne avait des yeux éblouissants comme la lumière. Et c'est l'éblouissance de ses yeux qui faisait que mon vêtement était tout blanc. Je commençais à trembler. Je me suis dit, j'ai vu le diable. Comme les autres disaient que j'avais reçu le Saint-Esprit, vraiment ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais ça, c'est quoi exactement qui m'arrive? J'ai dit, je prends mes habits, j'attache et que je fuis. J'ai vu Satan. J'ai attaché mes habits. Pour que je puisse fuir, je me suis levé. Je voulais fuir. Lorsque je voulais quitter de ces lieux, je rencontrais encore cette personne. Il m'a dit, ne fuis pas. Moi, je suis un être comme toi. Je ne suis pas encore mort. Je suis en prière. Une personne très éblouissante. Il ne ressemblait pas à un blanc. Il ne nous ressemblait pas comme nous sommes aujourd'hui là. Mais c'était un bel homme. Il m'a dit, assis-toi. Je me suis assise. Il m'a posé la question. Depuis le matin, tous les jours tu viens ici. Tu viens faire quoi ici? Je lui ai dit que je viens prier. Tu pries quoi? Tous les jours. Depuis le matin jusqu'au soir. Tu pleures, tu perds même ta voix. Tes yeux sont même enflés. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, je cherche Dieu. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il pardonne mes péchés. Après, pour que je puisse aller au ciel. Il m'a dit, c'est vrai. Tes péchés ont été déjà pardonnés. Mais il n'y a rien d'autre que tu veux demander à Dieu. J'ai dit, moi, je ne sais pas prier. Il m'a dit, attends, je vais te dire. Il y a beaucoup de choses que tu peux demander à Dieu. Je lui ai dit, dis-moi ces choses. Il a commencé à dire chose après chose. Ça, je ne peux pas te dire. Après, je commençais à prier au même moment. Là. Cette personne m'a dit, oui, tu as prié pour que tu puisses recevoir le don de Dieu. Il faut d'abord que tu puisses te dépouiller. Lorsque tu reçois le pardon, tu vas demander tout ce que tu vas recevoir, pardon, tout ce que tu as demandé. Je lui ai dit, alors donne-moi ces dons-là.
Je lui ai dit, donne-moi ce pardon-là. Il m'a dit, je ne peux pas te donner maintenant. Il m'a dit, reste ici, dors ici et ne rentre pas à la maison. Je lui ai dit ça seulement, mais je vais dormir. J'ai dormi là. J'ai prié. Je n'ai plus revu cette personne. Et j'étais fatigué, je me suis endormi. C'était la nuit et j'avais vraiment peur. Mais malgré ça, j'ai dormi. Très tôt le matin, cet homme est revenu. Il m'a réveillé. Il a dit, lève-toi, on va prier. Je me suis levé. Nous avons prié avec cette personne. Cette personne m'a dit, le pardon, c'est ça. Ah, tu ne vas pas rentrer à la maison. On y va. J'aimerais que tu ailles prêcher quelque part. Ces gens-là sont appelés. Ces gens-là, là où ils sont, ils ont besoin de quelqu'un pour prêcher. Ce sont des gens qui vivent dans la forêt. Ces gens-là sont appelés des rebelles. Ce sont les rebelles qu'on appelait les Moulélé qui avaient fait la guerre à l'époque. Dans les années 60. Va leur prêcher l'évangile pour qu'ils abandonnent leurs œuvres. Je lui ai dit, moi je ne sais pas prêcher. Il a dit, ça ce n'est pas ton travail. Moi je veux prêcher moi-même. J'ai dit, moi je ne connais pas le chemin pour y aller. Il m'a dit, je vais te montrer le chemin. Je lui ai dit, moi je ne connais pas une autre langue. Il a dit, ça ce n'est pas ton travail. Toi accepte et on y va. Je lui ai dit, je suis prête. Nous sommes partis avec cette personne. Nous sommes partis très tôt le matin. Nous avons marché toute la forêt jusque le soir. Nous sommes rentrés là-bas très tard le soir. Juste avant d'entrer, cette personne m'a dit, prions. Nous avons prié. Cette personne m'a dit la première chose. Comme nous avons marché ensemble, lorsque nous allons arriver dans cet endroit, ne me parle pas. En marchant, nous parlons. Je lui ai dit, pourquoi? En marchant, nous étions en train de parler. Pourquoi est-ce que je ne te parlerai plus à cet endroit? Il m'a dit, ne me parle pas seulement. Marchant comme si nous n'étions pas une même personne ensemble. Je lui ai dit, si tu ne me dis pas la raison pour laquelle tu ne veux pas que nous parlions ensemble quand nous serons dans cet endroit-là, arrivé devant les gens, moi je vais te parler. Il m'a dit, ne me parle pas, moi je lui ai dit, je vais te parler. Jusqu'à ce que tu me dises la raison pour laquelle tu ne veux pas que je te parle. Quand Dieu t'appelle, il faut que tu parles avec lui. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Akaniambia sikia. Il m'a dit, écoute. Vile tunatembea na wewe. Comme nous marchons ensemble, unaniona. Tu me vois. Watu wengine hawataniona. Les autres personnes ne vont pas me voir. Na ukianza kunisemesha. Et si tu commences à me parler, na hawanione. Et vu qu'ils ne me voient pas, watakuita mwenda wazimu. Ils vont t'appeler folle. Na hawata kusikia sana. Et ils vont même pas t'écouter. Lakini kusudi tulete ujumbe wetu mzuri. Pour que nous puissions amener bien notre évangile. Na watu wa upokee mzuri. Pour que les personnes reçoivent cet évangile. Usinisemeshe na hawaniona. Ne me parle pas. Kasema mzuri. Je lui dis OK. Neno la pili. Deuxième chose. Utapita mwingine wa kwanza. On va passer le premier endroit. Utapita mwingine wa pili. On va passer le deuxième village. Mwingine ya tatu. Arrivé au troisième village, on va trouver quelqu'un en train d'arranger son panier. C'est cette personne-là qui va nous recevoir.
Et si cette personne te salue, salue-le aussi. Et dis-lui que Jésus-Christ, Dieu m'a envoyé ici pour prêcher la bonne nouvelle. Je lui ai dit, mais je vais lui parler en quelle langue? Il m'a dit, ça, ce n'est pas ton travail. Dieu, quand il t'envoie, ne refuse pas, va comme tu es. Ujue, iyo si kazi yako. Que tu saches ou que tu ne saches pas, ça ce n'est pas lakini ton problème. Mungu anapenda kukutumia jinsi ulivyo. Dieu veut t'utiliser comme tu es. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Ukisikia sauti ya Mungu, si tu entends la voix de Dieu, ne refuse pas. Tukaenda. Nous sommes allés. Tulipoingia ndani ya village. Tu ne saches pas, ça ce n'est pas lakini ton problème. Mungu anapenda kukutumia jinsi ulivyo. Dieu veut t'utiliser comme tu es. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Ukisikia sauti ya Mungu, si tu entends la voix de Dieu, ne refuse pas. Tukaenda. Nous sommes allés. Tulipoingia ndani ya village ya kwa. Nous sommes entrés dans le premier village. Watu wanavala uchi. Les gens étaient nus. Watu wanaogopesha. Les gens faisaient peur. Lakini sikuogopa sababu nilikuwa na yule mtu. Moi je n'avais pas peur parce que j'étais avec cette personne. Wanasema mimi siwasikii. Ils parlaient mais moi je ne les écoutais même pas. Na vile tuko natembea wako wanafuata. Et comme j'étais en train de marcher avec cette personne là, eux nous suivaient. Kijiji ya pili tunapita. Deuxième village nous avons dépassé. Kijiji ya tatu. Troisième village. Nikakuta mwanaume mmoja. J'ai rencontré un homme. Yuko anatengeneza kikapu. Il était en train d'arranger son panier. Oh. Oh. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu awe amekujua. Dieu te connaît. Walio wa Mungu, Mungu anawajua. Ceux-là qui sont de Dieu, Dieu les connaisse. Hata ukiwa porini, Mungu anakujua. Même quand tu es dans la bouche ou dans la forêt, Dieu te connaît. Unapotembea, Mungu ni pamoja nawe. Peu importe là où tu es, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Nilipofika ule bwana akanisalimia. Et lorsque je suis arrivé dans ces lieux-là, cet homme m'a salué. Aliponisalimia nilisema eh. Quand il m'a salué, j'ai répondu. Je n'ai pas compris c'est quoi qu'il m'avait dit, mais je suis juste dit qu'il m'a salué. Cette personne m'a dit, c'est lui avec qui nous sommes. Dis-lui que nous voulons prier avec lui. Qu'il te fasse rentrer dans sa maison. Je lui ai dit, bien-aimé, mon frère, j'aimerais entrer dans ta maison. Et je suis ton invité. Et cette personne s'est vite levée. Il m'a ouvert la porte. Lorsque Dieu t'envoie, il prépare tout à l'avance pour toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Je t'ai mis ça à cœur. Je sais que tu as appelé Dieu. Tu te poses cette question, qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu est là pour te montrer tout. Il m'a fait rentrer dans la maison. Il m'a présenté une chaise. Nous étions à deux. Je me suis dit m'asseoir sur cette chaise. Je dis ça ce n'était pas possible. Je voulais donner à cette personne invisible la chaise. Et lui disait qu'on n'allait pas le voir. Mais par respect seulement, je lui ai donné la chaise. Je suis allé m'asseoir par terre. Et cette personne a été déjà assise sur la poussière. Être humain. Sois l'image de Dieu. Même quand tu es bien habillé. Nous aimons bien nous habiller, être des gens de valeur. Mais tous les jours, Jésus-Christ se rabaisse. Il m'a dit, prions. Nous avons prié. Et après, il m'a dit, dis-lui maintenant qu'il fasse venir tous ces gens-là qui viennent ici pour que je puisse prêcher. Et lorsqu'il est parti les chercher, et moi je suis parti un peu, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Le propriétaire de la maison est entré. Il m'a posé la question, comment ça va? Je lui ai dit, mais moi je ne connais pas toutes les langues.
Il a dit, ce que tu dis, moi je comprends. Moi je lui ai dit, toi tu es d'où? Il m'a dit, moi je suis du Congo. Mais j'ai étudié à Bujumbura au Burundi. Je connais toutes les langues de là-bas. Oh mon Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux. Acclamons pour notre Dieu. Dieu connaît toutes les langues. Dieu connaît toutes les habitudes. Dieu connaît tout ce qui se passe ici sur terre. Oh, je commençais à parler avec personne. Dieu m'a envoyé ici pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vas-y m'appeler tous les gens de ces villages-là. Et cette personne est partie vite. Il y avait déjà des gens là. Ils sont venus voir cette personne-là qui est rentrée dans leur village. Venez, il a dit, venez écouter une servante de Dieu. Les gens venaient vite. Bien-aimé, le Congo, c'est un bon pays. J'aime beaucoup le Congo. Et c'est très important que tu puisses aimer ton pays. Prie pour ton pays. Et si tu pries pour ton pays, le salut va venir. Le Congolais aime beaucoup l'évangile. Même s'il ne croit pas plus que d'autres personnes. Mais écoutez la parole. Viens vite. Beaucoup de gens sont venus. Il y avait plein de monde. C'était la nuit. Ils ont allumé le feu, un grand feu. C'était le feu avec des bois parce que c'était dans la forêt, dans la brousse. Ils ont allumé un grand feu. Il y avait plein de monde. J'étais dans la maison. J'attendais cette personne avec qui nous étions. Et lorsque le temps est arrivé, le propriétaire m'a dit, maman, les gens sont déjà là nombreux. Maintenant, c'est le temps que tu leur prêches la parole de Dieu. La personne avec qui nous étions n'était pas encore là. Moi, je ne savais même pas prêcher. Je ne savais même pas comment est-ce qu'on parlait. Le propriétaire a dit, allons-y maman. Nous sommes sortis de la maison. J'ai regardé le nombre de gens. Wow. J'ai dit, maintenant, où est mon ami? Je commençais à me promener en ayant peur. Je disais, maintenant Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Donc je me suis rendu compte que cet homme c'était une mauvaise personne. Mais qu'est-ce que moi je vais raconter aux gens? Je marchais avec l'amertume. J'étais assise dans une chaise. Cette personne, le propriétaire, a commencé à me présenter. J'aimerais que vous soyez tranquille. Que vous écoutiez l'évangile de Dieu. Dieu a envoyé cette maman pour pouvoir travailler notre cœur. Et moi, là où j'étais assise, j'ai tremblé. J'ai pleuré. J'ai dit, oh, c'est vraiment vrai que je suis folle. Cette personne n'était pas une bonne personne. Maintenant, aujourd'hui, là, j'aurai la honte. J'ai commencé à pleurer. Oh, Dieu est bon. Il m'a dit, lève-toi, maman. Je me suis relevée en pleurant. Les gens pensaient que j'étais remplie du Saint-Esprit. Alors que j'étais en train de trembler en me disant, qu'est-ce que je vais leur raconter? Ne ris pas, bien-aimé, mais pleure. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Il y a personne n'a suivi Dieu sans pour t'avoir pleuré. Je me suis levé là. Yo. Oh.
J'ai vu cet homme se mettre debout à côté de moi. Amen. Acclamons Dieu, s'il vous plaît. Dieu reste Dieu. Dieu, c'est le Dieu. C'est ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup Jésus. J'ai prêché dans ces villages. Lorsque je me suis levée, j'ai vu quelqu'un se mettre debout à côté de moi. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher pour abandonner les péchés. Après la prédication, il a appelé, invité les gens pour accepter le Seigneur. Tout le monde était là. Les gens ont cru en Jésus. Tout le monde a cru, tout le monde, sans exception. La seule chose qu'il m'avait dit, viens, nous allons prier pour eux. Et c'est ça que j'ai vu que j'ai fait. Nous avons prié avec ces gens-là. Après avoir prié pour eux, il a dit maintenant, regardez. Il a montré cette personne-là qui nous a reçus dans sa maison. C'est celui qui va être comme votre berger. C'est celui-là qui va vous prêcher la bonne nouvelle. Et c'est celui-là qui va vous baptiser par immersion. Suivez-le. Le propriétaire de la maison. Nous nous sommes levés. Tout le monde est rentré. Ils ont reçu Jésus. Écoute, je vais te dire. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu, c'est lui qui est loin du qui a l'onction. Ne le méprise pas. Respecte-le. Amen. Amen. Parce qu'il a été choisi par Dieu. Même si c'est un jeune. Même si c'est quelqu'un sans valeur. Comme Mama Domitila ici. Il faut que tu me respectes parce que Dieu m'a choisi. Lorsque tu es proche de Dieu, respecte-la. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Et elle a appelé. Nous sommes rentrés à la maison. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, cette personne-là du ciel m'a dit, repose-toi. Et moi, je vais me reposer. Nous sommes restés avec le propriétaire de la maison. Arrivé au moment de... C'était difficile. Cette personne m'a posé la question. Mama Domitila, tu es une servante de Dieu. Tu es loin du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu me mens? Tu as dit que tu ne comprends pas notre langue. Et je lui ai dit, est-ce que moi je comprends ta langue? Il a dit, mais tu viens de prêcher la parole. Je lui ai dit, est-ce que moi je prêchais? Et il a dit, mais c'est qui a prêché? Mais c'est toi. Oh. Je me suis rappelé de ce que cet homme-là m'avait dit. Ils vont te voir, mais ils ne vont pas me voir. Là où tu te promènes, Dieu est avec toi. Ils ne vont pas le voir, mais ils vont te voir toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut pas que tu te promènes comme tu veux. Il ne faut pas que tu vives dans le péché. Parce que tu es choisi par Dieu et mis à part. Et lorsque tu acceptes Jésus, ou tu es sauvé, Jésus-Christ, lorsqu'on te voit, on voit Jésus-Christ. Je dis bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le propriétaire de la maison, dans ces trois villages, c'était le seul homme de Dieu.
dans ces trois villages. Dieu m'a fait passer dans ces trois villages. Nikaenda kwa yule mtu kwa sababu ni yeye tu iko pale na ni yeye ndani yake mna njia Mungu atapitia. Et je suis allé juste chez cette personne parce que c'est celui seul là qui était un homme de Dieu et c'était au travers de lui que Dieu allait agir. Asubuhi. Le matin. Yule mtu wa Mungu akaya. Cet homme de Dieu est parti. Akasema twende. Il s'est relevé, il a dit allons-y. Tunatoka kuba Mulele. Nous avons quitté cet endroit de Mulele le rebelle. Tunaenda kuba soda. Nous sommes allés voir les militaires, les soldats. Ba soda ya Mobutu. Les soldats de Mobutu, l'ancien président du Congo. Tunatoka mupoli, tunaenda mukaya ba soda. Nous avons quitté la brousse, nous sommes allés vers le camp militaire. Iyo kabali kwa kiwaita PNP. Ces camps-là, on l'appelait PNP. Tukaenda. Nous sommes allés. Nikaambia yule mtu. J'ai dit à cette personne. Mungu ananituma kule. Dieu m'a envoyé là-bas. Mwenye nyumba akasema dada chukua Biblia. Le propriétaire de la maison m'a dit sœur, prends la Bible. Nikasema sijui kusoma. Je lui ai dit moi je ne sais pas lire. Akasema chukua tu. Il a dit prends seulement la Bible. Mtu akiona Biblia atajua uko mtu wa Mungu. Si quelqu'un voit la Bible, il va savoir que tu es une servante de Dieu. Nikasema mimi sitachukua Biblia. J'ai dit moi je ne veux pas prendre la Bible. Haijapo sijui kusoma. Parce que moi je ne sais pas lire. Yule mtu wa Mungu akaniambia chukua na. Cet homme de Dieu a dit prends quand même. Tukachukua tukae. Nous avons pris la Bible, nous sommes partis. Juste avant d'arriver, je vais aller vite un peu. Il m'a dit prions. Nous avons prié. Il a dit là où nous allons rentrer. Les gens là-bas sont très méchants plus que là où nous étions avant. Mais peu importe ce qu'ils vont te faire, ne pleure pas. Nous sommes entrés au milieu des soldats. Oh, ils ont dit la femme de Mulele est là. Les gens ont fui pour me prendre. Les soldats ont accouru. Ils ont commencé à me frapper. Je n'étais même pas encore entré dans le village. Ils m'ont demandé où sont tes hommes maris. Je leur ai dit, moi je ne suis pas la femme de Mulele. Ils m'ont frappé, ils ont dit, où sont tes maris. Je leur ai dit, bien aimé, je ne suis pas la femme de Mulele. Ils m'ont dit, dis-nous où sont-ils. Ils m'ont frappé. Quand ils m'ont frappé, je regardais mon ami avec qui on était. Je pensais qu'il allait m'aider pour que je puisse être épargné. Mais il n'a rien fait, il était là. Ils m'ont frappé. Et il était là. Jusqu'à ce qu'on m'a fait rentrer en prison, au village. Il y avait beaucoup de monde. Ils me faisaient peur plus que les Mulele. Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont tiré par terre. Ils m'ont ramené chez les hauts gradés. Ils m'ont posé la question. D'où viens-tu? Je leur ai montré la parole. Je dis, je viens vous prêcher l'évangile. Le chef des soldats a dit, tu penses que Dieu est naïf comme toi, tu es naïf. Tu vas prêcher en quelle langue? Lève-toi. Et si tu prêches dans ta langue, je vais te tirer. Dans mon cœur, j'ai dit, si tu savais la personne qui est à côté de moi, je me suis levé. Et mon ami était là. Avant même que ça commence, cette personne a prié. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Avant même la prédication de la parole. Et le haut gradé de soldat a dit, maman, prêche la parole. Peu importe la langue. Dieu sait comment est-ce que nous allons écouter ou entendre la langue. Lorsque la parole est prêchée,
la personne a commencé à prêcher la parole. Les gens ont été mouvementés, bougés par la présence du Saint-Esprit. Ils étaient allongés par terre. Ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Acclamons pour notre Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il est avec toi. Il veut que tu puisses le servir. Lorsqu'on a fini le travail, le chef de soldats, il a dit, maman, viens chez moi à la maison. L'homme de Dieu a dit non. Rentrons. Nous sommes rentrés chez lui. Jusqu'à ce que nous avons quitté la prière dans cette brousse-là. Il a dit, tu ne vas pas rentrer à la maison. Et nous allons aller là où tu étais en train de prier. Nous sommes rentrés là dans la brousse, dans la forêt. Là où nous sommes arrivés, nous sommes agenouillés. L'homme de Dieu m'a dit, ton épreuve est finie. Nous sommes rentrés à la maison. Les choses que nous avons faites, ne dis à personne. Jusqu'à ce que je te le dise. Si tu arrives chez toi à la maison, on te pose la question, dis-leur que tu étais en prière. Ne leur dis pas tout ce que nous avons fait pendant notre voyage. Jusqu'à ce que je te le dise. Sachez garder le secret, vos secrets. Amen, amen. Amen. Garde ton secret. Il a dit, rentre et moi je rentre aussi. Je suis rentré à la maison. Les gens m'avaient cherché, ils ne m'ont pas trouvé. Et nous avons dit qu'elle était possédée. Ce sont ces mauvais esprits-là qui l'ont emmené. Mais je suis rentré, j'étais en santé. Ils m'ont posé la question et je leur ai dit que j'étais en prière. Mais lorsque nous sommes séparés avec cette personne, avant je lui ai posé deux questions. Nous sommes partis en voyage pour prêcher. Moi je n'ai pas prêché. C'est toi seulement qui as prêché. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti seul? Je lui ai reposé encore la même question. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti seul? Il m'a dit, comment est-ce que tu voulais que j'aille? Mais si ils ne me voient pas, comment est-ce qu'ils vont m'écouter? C'est très important qu'on te voit, toi. Et après, ils vont m'écouter. Amen, amen. Amen. Mungu ana haja na wewe. Dieu est avec toi. Mungu ana haja na wewe. Mungu a... Dieu travaille au travers de toi. Amen. Amen. Yo. Nikamuuliza neno la pili. Je lui ai posé une deuxième question. Wakati watu wananipiga. Lorsque les gens étaient en train de me frapper, les soldats. Wewe haunisaidi. Mais toi, tu ne m'avais pas aidé. Ni sababu ya gani? Pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas aidé? Il m'a dit, si on t'avait frappé, est-ce que tu étais morte? Mais tu es là. Ils t'ont frappé. Est-ce qu'ils t'ont tué? Amen, amen. Amen. J'ai dit, ok. Je suis rentré à la maison. Les catholiques ont écouté ou entendu mon histoire. Ils m'ont fait venir à l'église. Ils m'ont posé la question, c'est quoi que tu as fait exactement? Tu as dit que tu as été loin du Saint-Esprit. Et tu parles. Tu as abandonné les prières catholiques. Tu as jeté le chapelet. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je leur ai dit que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui m'apprend à prier. Et cet esprit l'a dit quoi exactement? Tu sais, lorsque tu es loin du Saint-Esprit,
Tu es tellement... Tu as envie tout le temps de prier, de parler. Ils m'ont regardé, ils ont ri. Ils ont dit ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les démons qui sont en toi, les esprits mauvais. Fléchis les genoux. On va prier pour toi. Et on va te oindre de l'eau bénite. Et ces mauvais esprits vont partir. Je leur ai dit que je n'ai pas de mauvais esprits. Ils m'ont dit, fléchis les genoux. J'ai dit, je ne veux pas m'agenouiller. Et je n'ai pas besoin de cette eau bénite. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que cette eau bénite. J'ai refusé l'eau bénite. Ils m'ont chassé de l'église. Ils ont dit à mon mari, prends ta malade et allez-y. Mon mari est rentré en pleurant. Je lui ai dit, c'est ton problème, moi je ne suis pas malade. Je suis allé à l'église pentecôtiste. Là-bas, ils prient avec le Saint-Esprit. Le pasteur m'a bien accueilli. Il a commencé à m'apprendre comment prier dans le Saint-Esprit. Après 3 mois, il a dit, c'est nécessaire pour toi que tu te fasses baptiser par immersion. Je lui ai dit, vraiment ça, c'est une épreuve. J'ai déjà été baptisé. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi cette autre eau, cet autre baptême? J'ai été prêché dans mon église. Lorsque tu t'es fait baptiser une deuxième fois, c'est un péché. C'est-à-dire tu vas transporter 2 croix. Je leur ai dit, mais ces 2 croix-là, où est-ce que je vais les emmener? J'ai refusé de me faire baptiser. Les pentecôtistes m'ont chassé. Je suis rentré à la maison. Je me suis dit, c'est mieux pour moi de partir que de me faire baptiser une deuxième fois. Arrivé chez moi à la maison, mon mari à l'époque était encore catholique 100%. Il m'a dit, où est-ce que tu vas? Les catholiques t'ont chassé à cause de tes troubles. Les pentecôtistes aussi t'ont chassé à cause de tes troubles. Apprends tes bagages, vas-y chez toi, chez vous. Je ne veux pas rester avec toi. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. J'ai pris mes bagages pour rentrer chez nous. En fermant, je me suis rappelé que chez nous, ce ne sont que des catholiques. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire là-bas? Dieu, dis-moi. Qu'est-ce que je veux dire? J'aime Jésus. Dieu m'a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, déballe tes bagages et reste dans la maison. Et si ton mari te pose la question, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas chez vous? Dis-lui que Dieu a refusé. Est-ce que mon mari sait si le Dieu parle? Si ça, ce n'est pas ton problème. Toi, dis seulement comme je te l'ai dit. J'ai déballé mes bagages. Mon mari est rentré, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore rentré chez vous? Je lui ai dit, Dieu a refusé. Comme un enfant. C'était une grande bataille. Dieu a dit, reste là. S'il faut qu'on te frappe, laisse-toi frapper. Si on te chasse, reste à l'extérieur, mais ne pars pas. Si c'est moi qui t'ai sauvé, ton mari sera aussi sauvé. Moi, je n'ai pas laissé mon mari. C'est comme aujourd'hui, les gens se séparent comme les animaux. Tu abandonnes la femme, tu abandonnes le mari. Mais c'est chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Ton jour est arrivé. Tu vas pleurer et il ne va pas entendre. Les divorces, c'est un péché.
Peu importe la façon dont vous le décrivez aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la même. Si tu veux, tu te maries, si tu veux, tu ne le fais pas. Sache que le divorce, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Un jour, j'ai écouté. Katolika kule ku katedrali. À l'église catholique, watu wamepokea Roho Mtakatifu. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Wengi wengi. Plusieurs à l'église catholique. On les a chassés, ceux-là qui ont été loin du Saint-Esprit. Wako wanasali fasi mo. Ils ont commencé à prier quelque part. Mie ule. Moi, je les ai suivis. Nikaenda kuwatafuta. Je suis allé les chercher. Kumbe ni sawa na mie. Maintenant, je me suis dit, ils sont comme moi. On a commencé à prier là. Nous n'étions pas catholiques. Nous n'étions pas protestants. Ils ont commencé à dire qu'il y a un secte qui a commencé là. Ils sont partis nous accuser au gouvernement. Le gouvernement nous a éparpillés de là. Nous avons dit, nous allons aller poser la question à Dieu. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Mungu Dieu ne change pas. Ni vile vile tu. Il est le même. Jana, leo na hata hier, aujourd'hui, éternellement. Posho muzima ndani ya nyumba. Nous avons passé une semaine en prière. Tunauliza Mungu tufanye nini. Nous avons demandé à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Mungu hakutuambia kitu. Dieu nous a rien dit. Watu wakachoka. Les gens étaient fatigués. Wakarudia manyumbani kwa. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Na wengine wakarudia ku katoliki. Et les autres sont même retournés à l'église catholique. Kwa sababu shida ilikuwa nguvu. Parce que la souffrance était très forte. Lakini tukajichagua watu kumi na wawili. Mais nous nous sommes choisis 12 personnes. Tukachoka. Les gens étaient fatigués. Wakarudia manyumbani kwa. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Na wengine wakarudia ku katoliki. Et les autres sont même retournés à l'église catholique. Kwa sababu shida ilikuwa nguvu. Parce que la souffrance était très forte. Lakini tukajichagua watu kumi na wawili. Mais nous nous sommes choisis 12 personnes. Tukaenda kuomba. Nous sommes allés prier encore. Wanawake ine. 4 femmes. Wanaume munane. Et 8 hommes. Tukaenda kupole. Nous sommes allés en brousse. Tukasema hatutarudi. Nous avons dit que nous n'allons pas rentrer. Hatutakula. Nous n'allons pas manger. Hatutakunywa. Nous n'allons pas boire. Jusqu'à ce que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Si cet esprit que nous avons reçu, si c'est vraiment l'esprit de Dieu, que Dieu nous montre, nous allons confesser à l'église catholique. S'il faut que nous fassions baptiser, si se faire baptiser deux fois, une deuxième fois n'est pas un péché, que Dieu nous le dise. Nous sommes allés. Tulitoka nyumbani siku ya kwanza. Nous sommes allés, nous avons quitté la maison le premier jour. Lundi. Tukaenda kupole. Nous sommes allés en brousse. Hatukuwa na mawazo ya kurudia nyumbani. Nous n'avons pas l'idée de rentrer chez nous à la maison. Napoenda kuomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Wende na lengo moja. Wende na kusudi moja. Va avec mpango. Un objectif. Amen. Quand tu vas prier, va toujours avec un objectif. Eh. Mm-hmm. Amen. Amen. Eh. Mm-hmm. Unapoenda kwa Mungu, minute, 30 minutes. Tu vas dans la présence de Dieu 30 minutes. Unakwisha kufunga mizigo unarudia. Tu emballes tes affaires après 30 minutes, tu rentres. Lakini unapokwenda kwa Mungu, nenda hauna mpango wowote. Lorsque tu vas, Mungu aniambie. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, il faut que tu aies avec un objectif. Jusqu'à ce que Dieu te dise. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pale tulikuwa ndani ya maombi. Nous étions en prière. Nikaona watu wawili wanakuja. J'ai vu deux personnes venir. Watu wazuri sana. Des belles personnes. Hawafanani wazungu. Ils ne ressemblaient pas aux blancs. Hawafanani weusi. Ils ne ressemblaient pas non plus aux noirs. Watu wazuri. Ils étaient très beaux. Walikuwa na furaha ya ajabu. Ils avaient la joie incroyable. Walikuwa wanang'aa. Ils étaient en train de briller. Nikaona wanakuja pembeni yangu. Ils sont venus proches de moi. Walipofika pale napiga magoti. Ils étaient là où j'étais à genoux. Nikaona wananyosha mkono wao. Ils ont tendu leurs mains. Wananiambia simama mama. Ils m'ont dit lève-toi maman. Mimi nikapenda kusimama. Moi je cherchais à me lever. Lakini nikajisikia. Je me suis sentie lourde. Je leur ai dit, j'aimerais me lever. Mais je me sens très lourde. Ils m'ont dit, attends un peu.
Je me suis rendu compte que j'étais habillée comme avec un grand manteau. J'ai vu qu'ils ont le manteau était tombé. Ils ont retiré ce manteau. Ils ont mis par terre. Lorsque le manteau est tombé, je me suis sentie légère. Et après ça, je me suis levée. Nous sommes partis avec ces gens-là. Je ne savais même pas que j'étais morte. J'ai juste vu que j'ai laissé mon manteau. Alors que c'était mon corps là qui tombait. Les gens ont vu que je suis tombée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont restés faire. Je suis partie avec ces deux gens-là. La première chose qui m'a réjouie, je me regardais. J'ai vu que j'avais un très beau corps. Oh. J'ai dit à ces gens-là, donc il y a aussi d'autres corps merveilleux comme celui-là. Ils m'ont dit, mais toi, tu n'as pas cette nouvelle-là. Mais comment est-ce que ces corps-là t'étonnent? Tu ne lis pas la Bible. Je leur ai dit, moi, je ne sais pas lire. Je ne sais même pas la Bible. Ils m'ont dit, tu as dit la vérité. Une personne qui ne lit pas la Bible ne peut pas connaître les choses du ciel. Mais si tu lisais la Bible tout le jour, si tu avais lu le 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40, là tu aurais su qu'il y a le corps spirituel et le corps terrestre. Moi je ne vais pas lire, mais que toi tu lises 1 Corinthiens 15 40. Je ne vais pas lire. Mon temps est en train de passer. Deuxième chose qui m'avait réjoui. Lorsque nous parlons avec ces gens, j'avais une bonne intelligence. Je n'ai pas vu que j'étais morte. Alors que j'ai laissé mon manteau, c'est là que mon corps était resté. Nous sommes partis. Les gens avec qui nous étions ont vu que j'étais morte. Ils ont pris mon corps. Ils ont bien préparé. Ils ont commencé à pleurer. Moi, j'étais déjà parti. J'avais une bonne intelligence. J'ai bien parlé. Je savais qu'on quittait un endroit. Et on allait à un autre endroit. Je leur posais des questions. Et ils me répondaient. Et lorsqu'ils me posaient des questions, et moi je leur répondais. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, n'aie pas peur de la mort. C'est juste comme un changement. Tu laisses le corps terrestre et tu as le corps spirituel. Mais c'est seulement ça. Tu retournes où tu étais. D'où tu venais. Nous avons parlé avec ces gens. De troisième chose, ils m'ont emmené dans un pays, un beau pays, un pays très propre. Bien aimé, le ciel existe. Alléluia. Amen. Le ciel existe. J'ai vu un beau pays. J'ai demandé à ces gens-là, ce pays, c'est quoi exactement? Ils m'ont dit ce pays, c'est ce qu'on vous dit tout le jour. Le ciel, c'est ça le ciel. Oh. Un jour, nous irons au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous irons au ciel. Un jour, nous irons. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous de la parole. Amen. J'ai vu ces beaux pays qui étaient propres.
J'étais dans la joie. J'ai vu des choses merveilleuses. Il n'y avait ni début ni fin. Des immeubles qui étaient, des villes qui étaient bien construites. J'ai posé la question à ces gens. Comment est-ce que cette ville est belle? C'est quoi cette ville? Ils m'ont dit ça, c'est le paradis de saints. Regarde le paradis de saints. Oh. Et là, les païens n'y entrent pas. Écoute bien. Les pécheurs non plus n'y entrent pas. Seulement le saint. Ceux-là qui ont été sanctifiés dans le sang de Jésus. Seulement ceux-là qui rentrent dans cette ville. Et nous étions en train de parler avec ces gens-là. Et j'ai vu d'où nous venions. Quelque chose venait ressemblant à une voiture. C'était très joli. Oh, c'est comme une voiture qui emmène une mariée. Oh, c'était bien décoré. Et dans cette voiture-là, il y avait trois personnes. Ils étaient bien habillés. J'ai posé la question. Ici aussi, il y a des voitures comme chez nous sur Terre. Ils m'ont dit, ça là, c'est pas une voiture. Ça là, on appelle ça un char. Ces chars là, c'est ces chars là qu'on utilise pour prendre les gens qui viennent de chez vous, qui les amènent ici chez nous. Mais ces chars là, ils ne transportent pas de païens, pas non plus les pécheurs, seulement les chrétiens. C'est ce char-là qui a transporté Élie. C'est ce même char-là qui a transporté Élie. Et ce char-là qui prend tous les jours les enfants de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. J'étais tellement dans la joie. J'ai posé une question. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas transporté dans ces chars-là? Pourquoi est-ce que moi je dois marcher à pied? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas rentrer dans ces chars-là? On m'a dit, toi tu ne peux pas rentrer dans ces chars-là. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Oh, j'ai pleuré. Mais lorsque nous étions en train de parler, ce char-là est rentré dans cette ville-là. J'ai entendu des cris. J'ai entendu de nouvelles chansons. Ils avaient des instruments qui chantaient. J'ai entendu beaucoup de choses. C'était merveilleux. Des belles chansons. Bien-aimés, vous qui chantez pour le Seigneur, continuez de chanter pour Dieu. Guillaume, mon Guillaume, continue de jouer à ton instrument. Chante, continuez de chanter pour Dieu. La Bible dit, d'après la prédication, va arrêter. Les prières vont arrêter. Mais nous allons demeurer éternellement en train de louer pour Dieu. Alléluia. Amen. Mungu que Dieu vous bénisse. Karama ya kuimba, si tu as le temps de chanter, ya karama yako, prends bien soin de ton don et continue tout le jour. C'est ça le travail que nous resterons faire au ciel. J'ai posé la question, c'est qui là qui chante bien là-bas? On m'a dit, ce sont ces gens-là qui sont au paradis. Ils étaient en train de recevoir ces gens-là qui étaient dans le char. J'ai dit, nous aussi, allons-y. Pour qu'ils puissent chanter pour nous. Ils m'ont dit, toi, on ne va pas chanter pour toi. Parce que tu n'es pas rentré dans ces véhicules-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais je veux juste voir comment est-ce qu'ils chantent. Nous avons couru vite. Lorsque nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu, ils m'ont arrêté là. Ils ont refusé que je rentre. J'ai vu de là sortir quelqu'un, une personne géante,
qui était grand et gros. Il était tellement beau. Il brillait. Je n'étais pas capable de regarder son visage parce qu'il brillait. J'ai vu, il est venu. Il est venu à côté de moi. Il a commencé à pleurer. Les larmes qui sortaient de ses yeux, c'était comme des gouttes d'eau et de pluie. J'ai vu, il a essuyé ses yeux. Lorsque tu pries Dieu, tu pleures. Il a mal à un acquitte. Il sait que tu as quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas pleurer lorsqu'ils prient. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient quelqu'un prier, pleurer, ils pensent qu'il est en train de confesser le péché. Un jour, Jésus-Christ a prié. Mais il y a des moments où Jésus-Christ a prié et pleurait. Il pleurait. Et si tu pleures lorsque tu pries, c'est bien. Il y a des moments où quand tu pleures, tu sors ce qui est en toi. Cette personne m'a posé la question. Ça veut dire que vous savez vraiment prier Dieu. Pourquoi est-ce que vous ne priez pas comme ça tous les jours? Je lui ai dit, mais donc lorsque nous prions, vous nous écoutez. Il m'a dit, oh. Vous, vous pensez que lorsque vous priez, Dieu n'écoute pas? Nous, nous pensons toujours que Dieu est tellement loin. Dieu n'est pas loin avec ses enfants. Dieu est avec ses enfants. Et si pourquoi? Il y a des gens qui prient Dieu, mais Dieu n'écoute pas. Et il y a d'autres personnes qui prient et Dieu les écoute. Mais je posais la question, ces gens-là qui prient et que Dieu n'écoute pas, de quelle façon est-ce qu'ils prient? Il m'a dit, un pécheur, lorsque tu pries sans confesser tes péchés, tes prières sont comme le bruit aux oreilles de Dieu. Quand tu pries et que tu dors, tes prières sont comme du bruit devant Dieu. Quand tu pries et quand tu dors, lorsque tu pries avec le Saint-Esprit, lorsque tu pries et que tu as confessé tes péchés, lorsque tu pries et tu pleures et que tu jeûnes, Dieu écoute vraiment bien. J'ai dit, si Dieu écoute, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas répondu à nos prières? Et lui m'a posé la question, pourquoi tu as refusé de te faire baptiser par immersion? Je lui ai dit que je me suis fait déjà baptiser. Il m'a posé la question, quel genre de baptême est-ce que tu as reçu? Je lui ai dit que j'ai été baptisé avec l'eau sur la tête. C'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a posé la question. Toi, tu es chrétienne? J'ai dit oui. Tu crois en Jésus? J'ai dit oui. Jésus-Christ a été baptisé de quelle façon? Moi, je dis, je ne sais pas. Il m'a dit ceci. Jésus-Christ s'est fait baptiser au Jourdain. Si tu veux suivre Jésus, fais exactement ce que Dieu, Jésus-Christ a fait. Et c'est ça le vrai baptême. Et ce baptême-là existe depuis longtemps. Mais les gens ont commencé à réduire pour leur paresse. Mais le vrai baptême et qui existe depuis longtemps, c'est par immersion dans l'eau, beaucoup d'eau. C'est la mort de Jésus et la résurrection de Christ. Moi, je n'ai plus répondu. Il m'a fait rentrer dans cette ville. J'ai vu le paradis. J'ai vu le saint. Oh, bien-aimé, j'étais dans la joie. Des belles personnes. Les gens qui brillaient. Les gens qui étaient remplis de joie. Ils étaient en train de chanter pour Dieu.
Cette personne m'a dit, regarde le paradis de saints. Et tous ces gens-là que tu vois, ce sont les chrétiens qui sont morts chez vous sur terre. Mais ici, le pécheur ne peut pas rentrer ici. Non plus le païen ne peut pas rentrer ici. Si je dis païen et pécheur, le païen, c'est celui qui n'a pas accepté Christ, qui n'a pas encore, qui n'est pas sauvé. Mais le pécheur, c'est toi. Tu as accepté Christ. Tu t'es fait baptiser par immersion. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la parole de Dieu. Mais tu ne changes pas. Tu pries. Tu chantes. Mais le péché est encore là. Tu chantes et tu pries. Tu dors chez toi et tu dors en, avec le péché. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Toi, pécheur. Au ciel, il n'y a rien de sale, d'impur qui va rentrer. Si tu es encore dans le péché, tu ne peux pas rentrer au ciel. Si tu es encore en train de voler, tu ne vas pas rentrer au ciel. Si tu es encore dans la prostitution, tu ne vas pas voir Dieu. Si tu es encore en train de critiquer les gens, tu peux rester même chez toi à la maison. On vous prêche, vous n'écoutez pas. Vous écoutez la parole et vous ne changez pas. Toi, tu es pécheur. Il m'a dit, regarde le chrétien. Lorsqu'il m'a dit que ça, ce sont des gens qui sont morts venant de la terre. J'ai dit, je vois si je me rencontrais des gens que j'ai qui sont morts quand j'étais sur terre. Je voulais voir s'il y avait des hommes ou des femmes. S'il y avait des blancs ou des noirs. S'il y avait des jeunes ou des vieux. Et quand je regardais, j'ai vu quelque chose de merveilleux. Tous qui étaient là, ils avaient un même visage. Ils étaient habillés pareil. Ils étaient identiques. Il n'y avait pas de gros ni de mince. Il n'y avait pas de géant ni de petit. Il n'y avait ni homme ni femme. Il n'y avait pas de blanc ou de noir. Oh. Cet homme m'a dit, laisse avec tes pensées. Ici, il n'y a ni noir, il y a ni homme ni femme. Hakuna wazungu na weusi. Il n'y a ni blanc ni noir. Hakuna vijana na wazee. Il n'y a ni jeune ni vieux. Mutu yeyote akiwa mkristo. Tout chrétien, wakati anakufa, lorsqu'il meurt, anaacha ile mwili. Il laisse son corps terrestre. Anavikwa mwili ya utukufu. Il prend le corps céleste. Wote wanaokuja hapa, tous ceux-là qui viennent ici, ni wa Christ, ce sont des chrétiens. Wana mwili moja. Ils ont un seul corps. Wana lugha moja. Ils ont une seule langue. Wote ni watoto wa baba. Tous sont les enfants de même père. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Uwe mtoto wa Mungu. Que tu sois un enfant de Dieu. Ukiwa mtoto wa Mungu. Si tu es un enfant de Dieu, hautachukua kabila kukichwa. Tu ne vas pas mettre les tribus dans ta tête. Hautachukua dini kukichwa. Tu ne vas pas choisir la religion. Jinsi ulivyo. Tu vas aller comme tu es. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Uitwe mtoto wa Mungu. Sois appelé un enfant de Dieu. Yo. Il m'a dit, tu as vu comment est-ce qu'ils sont dans la joie. Ici, c'est seulement la joie. Et ils vont quitter ces lieux. Et tous les jours, ils prient pour qu'ils voient Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore vu Jésus. Et le jour qu'ils verront Jésus, ils seront encore plus beaux qu'ici. Ils auront encore une joie plus grande que celle-ci. Bien aimé, j'étais dans la joie. Il m'a dit, viens ici. Il m'a montré quelque chose d'autre. J'ai vu un pays extraordinaire. J'ai vu une ville extraordinaire comme les vitres qui brillent.
Je regardais dans cette ville. Il y avait comme une rivière. La rivière qui était là dans cette ville qui affontait. Cette rivière brillait. Je n'ai pas traversé cette rivière. J'ai vu seulement que j'étais dans cette ville. Oh bien-aimé. Attends un peu. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Jouissons-nous, soyons dans la joie. Dieu nous a préparé quelque chose de merveilleux. Si tu entends parler du ciel, ça existe. Alléluia. Amen. J'ai vu que j'étais dans cette ville. Ils m'ont dit, regarde la nouvelle Jérusalem. Oh. J'ai regardé. Je ne comprenais pas les constructions de cette ville. J'ai vu que c'était comme des vitres. Je me suis dit, je vais regarder s'il y a des chemins comme celui-là. J'ai vu comme si on a étalé de l'or pur. Je me suis dit, je vais voir s'il y a de la terre. J'ai vu partout, il n'y avait que de l'or. Je me suis dit, je vais essayer de marcher comme on marche sur terre. Mais je ne pouvais pas le faire. Mes pieds étaient juste en train de trembloter. Comme si on marchait sur le ressort. J'étais très contente dans mon cœur. Ces gens-là m'ont dit, tu ne peux pas marcher dans cette ville. Parce qu'il n'y a personne qui est encore entré dans cette ville. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est ce que Dieu a préparé. Alléluia. Amen. Il m'a dit, regarde la nouvelle Jérusalem. Une ville sainte. Yo. Propre. Yes, we. Oh, Jésus. Si j'irai au ciel. Alléluia. Amen. Si j'irai au ciel. J'ai vu une ville propre. Jean avait vu ça. Oh, descendant dans les ciels. Ça brille comme quelque chose de brillant. Que Dieu te bénisse. Il a dit, regarde la façon dont Jésus-Christ a préparé pour les saints. Et ici, il y aura Dieu, Jésus et les saints. Et ici, il y aura une joie sans fin. Il y aura des choses qu'on n'a pas encore vues. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus. Ils m'ont montré des choses. Où on m'a montré des gens qui sont décédés n'ayant pas connu le Seigneur. C'était un grand océan. Cet océan ressemblait au sang. Il y avait beaucoup de monde. Ils pleuraient. Ils se grattaient. Ils étaient piqués par des insectes. C'était comme des moustiques. C'était le deuil. Il m'a dit, écoute le deuil de ces pécheurs. Il pleurait en disant, oh Dieu du ciel, si ça aurait été mieux que tu nous sortes de là, que tu nous balances dans ces feux, que nous brûlons et que nous soyons consumés. Et il m'a dit, tu sais, cela c'est un mensonge. Comme le feu ne va pas s'éteindre, de la même façon que leur corps ne sera pas consumé. Ils vont brûler éternellement. Mais ils ne vont pas être consumés. Et là où tu le vois, c'est ça, là les catholiques que vous dites. Il y a un purgatoire. Si quelqu'un meurt en étant pécheur, on fait une messe pour la personne pour que ses péchés soient pardonnés et il va au paradis. Il m'a posé la question, c'est quelle Bible qui le dit? Je lui ai dit, moi je ne sais pas lire. Mais c'est comme ça qu'on nous prêche sur terre. Il m'a dit, ça c'est un mensonge.
La personne qui va être pardonnée de ses péchés, lorsqu'il est encore sur terre, tu confesses toi-même. Même si tu avais tué des gens, même si tu avais volé, peu importe le péché que tu avais commis, lorsque tu confesses seulement et que tu abandonnes, Dieu va te pardonner et il va oublier. Mais après la mort, peu importe les messes qu'on fera pour toi, il n'y a pas de salut après cela. C'est par rapport à tes œuvres. C'est très amer. Regarde la façon dont ils attendent. Et là, ils sont en train d'attendre le feu. Le jour où les chrétiens iront à la Nouvelle Jérusalem, c'est ce jour-là qu'eux iront en enfer. Et là, ils attendent. Regarde comment ils pleurent. Et là, ils n'ont pas encore pleuré. Pécheur, je te supplie. On m'a retiré de là. On est allé me montrer ce feu de l'enfer. J'ai vu un grand trou. Dans ce trou, j'ai vu des genres de choses comme des barils, comme des fûts. On m'a posé la question, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, j'ai vu le fût. Quand c'est fût, quand c'est baril. J'ai compté, il y avait 7 fûts. Ils m'ont dit ça, c'est ça qui garde le feu de l'enfer. Le feu n'est pas encore ouvert. Jusqu'au jour de la fin du monde. Ils m'ont dit, tu ne vas pas seulement voir ces fûts. J'ai vu, ils ont pris quelque chose. Ils ont lancé à l'intérieur de ces... J'ai vu le feu sortir de là. Le feu a ronronné plus que le tonnerre. Je pensais que c'était sorti. J'ai fui. Je fuyais vers ces gens-là et fuyais. Je fuyais vers eux aussi, me fuyais. J'ai vu que je suis allé très loin. Je suis allé tomber quelque part. Je pensais que j'étais brûlé et consumé. Et j'ai vu qu'ils sont venus me prendre et me réveiller. Ils m'ont posé une question. Toi, tu fuis le feu qui a juste ronronné. Et le jour que ce feu va s'ouvrir, sorti, je fuis. Je fuyais vers ces gens-là et fuyais. Je fuyais vers eux aussi, me fuyais. J'ai vu que je suis allé très loin. Je suis allé tomber quelque part. Je pensais que j'étais brûlé et consumé. Et j'ai vu qu'ils sont venus me prendre et me réveiller. Ils m'ont posé une question. Toi, tu fuis le feu qui a juste ronronné. Et le jour que ce feu va s'ouvrir, et quand ça va s'exécuter, les pécheurs, où fuirez-vous? Tous les jours, on vous prêche. Vous ne voulez pas écouter. Regardez le feu qui est là. C'est pour les pécheurs et les incrédules. Et on m'a retiré de là après. On m'a dit, viens voir. Viens voir comment est-ce que les œuvres de chacun l'attendent. Bien aimé, j'étais très étonné. Je suis arrivé quelque part. J'avais vu quelque chose comme une armoire. J'ai vu ça appuyé sur un bouton. Et cette armoire s'est ouverte. J'ai vu des papiers. Tu ne peux même pas les compter, c'était, il y en avait beaucoup. Il m'a dit, tu as vu ces papiers? C'est là qu'il y a le dossier de tout un chacun. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ton dossier est là. Et là, il y a deux chemins.
Le chemin pour aller dans le royaume des cieux. Et le chemin pour aller en enfer. Et lorsque quelqu'un quitte chez vous sur terre, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit grand, qu'il soit petit, il va passer par là. On va lui remettre son dossier. Lui-même, il va lire. Tu ne sais pas lire? Oui, amen. Tu vas lire ce jour-là. C'est la présence de Dieu. Si tu es aveugle, tu vas voir et tu vas lire. Et lorsque j'ai vu cette armoire s'ouvrir, j'ai vu mon dossier. J'ai vu comme je vois là. Le nom Mama Domitila. En dessous de mon nom. Matendo yangu yote. Tous mes œuvres, toutes mes œuvres. Tangia siku nilifanza kufanya kazi. Depuis quand j'ai commencé à travailler. Ujana wangu. Depuis ma jeunesse. Kitu yote nilifanya. Tout ce que je fais. Ilikuwa pale. Était là. Eh. Oh. Na siku. Et le jour. Na saa. Et l'heure. La minute. Et la minute. Na nikiangalia. Et lorsque je regardais. Na kumbuka siku nilifanya. Et je me rappelais le jour où j'ai commis ça. J'ai essayé de me regarder par terre pour éviter mon dossier. En regardant par terre, mon dossier était toujours là. J'ai regardé de l'autre côté, mon dossier était toujours là. J'ai commencé à trembler. J'ai pleuré. J'ai posé la question. Qu'est-ce que je devrais faire? On m'a dit, attends un peu. Tu n'as pas encore vu. J'ai vu quelque chose comme une télévision. C'était grand comme ça, tout ça. J'ai vu, ils ont allumé la télévision. C'était la première fois que je vois une télévision au ciel. Dieu n'est pas stupide, c'est un Dieu intelligent. Pensez-vous que Dieu a donné l'intelligence à l'être humain et qu'il est resté comme ça? J'ai vu cette télévision. J'ai vu des écrits. Mama Domitila. Tes œuvres sont là. Chose après chose. Œuvre après œuvre. Moi-même, je suis sorti. Je me voyais défiler dans cette télé. La télé me montrait toutes mes œuvres. Exactement comme vous voyez là. Et de la même façon, je me voyais comme ça. Tout ce que j'avais fait, je le voyais comme ça. Si j'avais volé quelque chose et que j'avais caché et la façon dont je l'avais volé et la façon dont je suis parti à la maison et la façon dont je l'ai regardé, si je me querellais avec quelqu'un, la façon dont on s'est querellé, si nous étions en train de critiquer quelqu'un et j'entendais, je voyais tout cela, oh, c'est très amer. Si c'est la prostitution, si c'est l'impureté, avec cet homme-là, la façon dont tu le fais la nuit, j'ai pleuré. J'ai posé la question à ces gens-là. Si c'est comme ça, qu'est-ce que je devrais faire pour que mes péchés soient pardonnés? On m'a dit jusqu'à ce que tu retournes sur terre. Je leur ai dit, ramenez-moi vite pour que j'aille confesser mes péchés. J'ai commencé à pleurer avec beaucoup de larmes. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure. Quand je me souviens de ces choses-là, j'ai l'impression que c'est comme devant moi. Je me mets à pleurer. Bien-aimé, si tu pouvais savoir ce qui t'attend là-bas, tu commencerais à confesser tes péchés. Tu commencerais à régler ta vie. Tu commencerais à pleurer. Tu commencerais à t'arranger avec Dieu. Parce que tu as encore le temps de confesser tes péchés. Je leur ai dit, ramenez-moi vite pour que j'aille confesser mes péchés. Ils m'ont dit, hein, tu pleures, hein? Parce que tu as vu, hein?
Mais tous les jours, on ne vous prêche pas? On ne vous prêche pas? On ne vous dit pas ça? À partir d'aujourd'hui. Sache les péchés. Sache les œuvres des autres personnes. Ça les attend là-bas. Ça les attend, les péchés, les œuvres les attendent. C'est une joie si tu sais que tes péchés sont pardonnés. C'est amer si tes péchés t'attendent encore là-bas. J'ai vu m'en retirer de là. Ils sont partis me montrer des enfants. Les enfants qui étaient dans la joie. Ces enfants chantaient et acclamaient. Au milieu d'eux, il y avait d'autres qui avaient les poings serrés. J'ai posé la question. Certains enfants chantent en acclamant. D'autres chantent mais en serrant le poing. Pourquoi? Ils m'ont dit ceux-là qui ont serré le poing. Ce sont les enfants qui sont décédés parce que leur mère, ont avorté. C'est ta mère. Si tu as avorté, même si c'est d'un mois ta grossesse, même si c'est deux semaines ta grossesse, ton enfant est au ciel. Mais il est là avec les produits que tu as utilisés pour te faire avorter en t'attendant là-bas. Tous les jours, cet enfant prie Dieu. Amenez-moi cette personne qui m'a donné ces produits pour qu'il puisse le récupérer. Il t'appelle pas maman. Cette personne-là qui m'a donné son fardeau, qui vient le chercher pour que moi je chante et acclame comme les autres. Maman, toi qui avorte tous les jours. Toi qui dis que tu ne veux pas accoucher, tu ne veux pas avoir d'enfant. Tu es devenue canadienne. Tu veux faire comme les gens d'ici. Sache que tous les jours tu tues. Tu es comme une sorcière. Tu chantes les sorcières, toi tu es sorcière. Un jour tu vas pleurer. J'ai posé la question. Si quelqu'un qui a fait ça, sans connaître le Seigneur, lorsqu'il confesse ses péchés, est-ce que cet enfant va continuer à l'attendre? Ils m'ont dit non. Lorsque tu confesses et que tu abandonnes, Dieu pardonne et oublie. Et cet enfant est libéré. Acclamé pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, laisse ces affaires-là. J'ai vu les enfants. Je me suis rappelé que je n'avais pas d'enfant. Je voulais prier pour que Dieu me donne un enfant. J'ai posé la question à cet homme géant. Oh, bien-aimé. Toi, tu m'as dit qu'ici c'est le ciel. Mais où est Dieu? Il m'a dit, pourquoi tu demandes Dieu? Je lui ai dit parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il m'a dit et Dieu va t'écouter. Je lui ai dit non, je veux le voir avec mes yeux. Il m'a dit non, parle seulement, dis, il va t'écouter. Et moi je voulais seulement le voir. Cet homme m'a dit, toi tu ne sais pas que les Écritures disent, c'est lui qui me voit, moi Jésus voit le Père. Amen. J'ai dit, c'est ça que les Écritures disent. C'est lui qui a vu moi, Christ a vu le Père. J'ai dit, toi c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, ma prière, j'ai juste une prière. Moi, je n'ai pas eu d'enfant comme d'autres personnes. Mais j'ai prié Dieu qu'il me donne un enfant.
Il m'a dit ça seulement. J'ai dit c'est seulement ma prière. Il m'a dit c'est seulement ça. J'ai dit oui. J'ai vu m'a retiré de là. Il est parti me montrer quoi? Les groupes de chrétiens, les deux grands groupes que j'ai vus. De grands groupes. On m'a dit, ça c'est le groupe des catholiques. Ça c'est le groupe des protestants. C'est comme ça que vous dites chez vous sur terre. J'ai regardé le groupe des protestants. Il y avait de sous-groupes. Il y avait beaucoup de sous-groupes. J'ai posé la question, c'est quoi? Il a dit, mais c'est ça que vous dites, que vous faites. Je suis protestant pentecôte. Je suis protestant anglican. Je suis adventiste. Je suis un tel, un tel. C'est de la façon dont vous dites sur terre. J'ai demandé, est-ce que c'est un péché? Il m'a dit, ça n'aurait pas été un péché. Mais il y a seulement un péché en vous. Vu qu'il y a beaucoup de groupes. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas d'entente entre eux. Ils n'ont pas d'amour entre eux. Chaque personne aime son groupe. Mais ils n'ont pas l'amour. Cette personne m'a dit. Cette division-là, d'où vient-elle? Dieu a laissé juste un groupe. Et les gens étaient un. Et les gens avaient l'entente. Et les gens avaient l'amour de Dieu. D'où viennent toutes ces divisions? Et de la même façon qu'il y a cette division, et c'est comme ça qu'il n'y a pas d'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est très amer. J'ai regardé le groupe des catholiques. Juste un groupe. Mais ils avaient des fardeaux. C'est comme s'ils avaient transporté tout ce qu'ils avaient dans leur maison, ils ont mis sur leur tête. Je leur ai posé la question, c'est quoi ça? Ils m'ont posé la question aussi, mais pourquoi tu veux savoir? C'est comme ça que toi aussi tu fais, tu transportes ce genre de fardeau. Mais ça, ce sont de brasseries. Mais ça, ce sont des fardeaux de cigarettes. Et je voyais des gens allongés comme des cadavres. Il m'a dit, mais ces gens-là, ce sont des ivrognes. Je lui ai posé la question, l'ivrognerie aussi, c'est un péché. Il m'a dit, toi tu ne sais pas que c'est un péché. J'ai dit, dans mon église, d'abord on ne prêche pas ça. Il m'a dit ceci. De la même façon que le voleur n'ira pas au ciel, le meurtrier n'ira pas au ciel, de la même façon, l'ivrogne n'ira pas au ciel, même le fumeur de cigarettes. Parce que lorsque tu fumes, tu détruis les organes de ton corps. Et lorsque tu détruis les organes de ton corps, devant Dieu, tu commets un péché. Tous ces gens-là que tu as vus ne rentreront pas dans le royaume des cieux. J'ai posé la question. C'est quoi la vraie religion? La vraie religion. C'est quoi la vraie religion? Il m'a posé la question, c'est quoi la religion? J'ai dit, la religion, c'est suivre Dieu. Il m'a dit non. Suivre Dieu, c'est suivre sa parole. Mais la religion, ce que vous dites, la religion, c'est quoi exactement? C'est comme ça que quand quelqu'un commet un péché, on lui dit arrête ça, il dit non, 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 ma religion ne m'interdit pas. Il m'a dit, nous ne connaissons pas la religion. Nous connaissons seulement les chrétiens. C'est lui qui croit à la parole de Dieu. C'est lui qui marche dans l'amour de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Mais nous, la religion, nous ne connaissons pas ça. Parce que toi, tu te vantes de ta religion. Je suis pentecôtiste.
Mais dans ton style de pentecôtiste, tes œuvres sont déplorables. Au ciel, tu n'iras pas. Hein? Il m'a sorti de là. Ils m'ont montré quoi? Les groupes de pasteurs. J'aimerais que tu m'entendes, s'il te plaît. Kumaliza. Je suis presque à la fin. J'ai vu le groupe de pasteurs, de quoi ils parlaient exactement? Le mariage de chrétiens. C'est quoi un vrai mariage? Les gens se marient, se séparent, se marient, se séparent. C'est quoi le vrai mariage? Il y avait plusieurs pasteurs. Il y a un pasteur qui s'est levé. Il a dit le vrai mariage, c'est lorsque deux personnes se marient, un homme et une femme, les chrétiens. Ils célèbrent le mariage à l'église. Ces gens-là ne peuvent pas se séparer jusqu'à la mort. Oh, les pasteurs qui étaient là ont acclamé. Un autre pasteur a posé la question. Si quelqu'un épouse une femme, il n'a pas célébré le mariage à l'église. Mais c'était un chrétien et la femme était chrétienne. Mais malheureusement, ils n'ont pas célébré le mariage à l'église. S'ils se séparent, est-ce que c'est un péché ou pas? Certains pasteurs ont dit que ce n'est pas un péché. Parce qu'ils n'ont pas célébré le mariage à l'église. Certains pasteurs ont acclamé. Le troisième pasteur a posé la question. Si un homme a deux ou trois femmes, mais il ne connaît pas encore le Seigneur. Lorsqu'il croit en Jésus, toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'il va en faire? Certains pasteurs ont dit, ce serait bon qu'il puisse laisser ces femmes-là, qu'il reste avec une seule femme. D'autres pasteurs ont refusé cela. Ils ont dit non. C'est mieux qu'il puisse rester avec ses trois femmes. D'autres ont dit c'est important qu'ils abandonnent les autres. Mais plusieurs pasteurs ont dit, la Bible dit, venez à moi comme vous êtes. Vous devez les emmener à Christ. C'était une grande bataille. Mais d'autres pasteurs n'ont pas accepté. Cette personne m'a demandé. Tu vois les conversations de pasteurs? J'ai dit, Il m'a dit, est-ce que tu connais une poule et une vache? Je lui ai dit, vous aussi vous connaissez le poule et les vaches ici? Vous dites que Dieu a créé tout, la terre et les cieux. J'ai répondu, je connais la poule et la vache. Il m'a posé la question, est-ce qu'une poule peut avaler une vache? J'ai dit, c'est impossible. Il m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit parce que la poule est petite et la vache elle est trop grosse. Il m'a dit c'est exact. Tu entends les conversations des pasteurs? C'est comme une poule. La parole de Dieu, c'est exactement comme une vache. Et les conversations des pasteurs ne peuvent pas supporter la parole de Dieu. Il y a juste une parole. Il y a juste un mariage. C'est marié, c'est juste une fois. Tu as célébré le mariage à l'église. Tu ne peux pas te séparer jusqu'à la mort. Et si vous vous séparez, c'est un péché devant Dieu. Au ciel, tu n'iras pas. Amen. Si tu t'es marié, sans célébrer le mariage à l'église, mais vous deux, vous étiez des chrétiens. Ça, c'est un mariage devant Dieu. Vous n'allez pas vous séparer. Parce que vous connaissez la parole de Dieu.
Ile ndoa mtakuya kufanya ni fete lakini deja mbele ya Mungu ni ndoa. Ce mariage que vous allez venir faire, c'est une fête mais devant Dieu c'est un mariage. C'est une union. Amen. Amen. Kama una bibi bawili batatu. Si tu as deux ou trois femmes. Wakati unaamini. Lorsque tu crois. Wale wabibi wote si wabibi zako. Toutes ces femmes là ne sont pas les tiennes. Bibi yako ni mmoja. Ta femme, c'est juste une. Yule ulie, mala ya celle-là que tu as épousée la première ata fois. Kama ni mzee, ni même si c'est une vieille, c'est elle. Wababa, wabibi, kama chemise et yako. Papa, vous changez les femmes comme vous changez vos chemises. Usicheze na Mungu. Ne jouez pas avec Dieu. Leo unaoa, kesho unaacha. Aujourd'hui, tu te maries, demain, tu te sépares. Kesho kutwa unaoa, kesho le lendemain, tu te remaries et ensuite tu te sépares. Et Canada, wanasema divorce. Et le Canada, on parle de divorce. Eti Moïse aliwapatia ruhusa. Comme parce que Moïse leur a donné la permission. Barua na kubaacha. Et il a écrit la parole et puis. Lakini yes, alisema, ijapo Moïse alisema hivyo, mais Jésus-Christ a dit comme Moïse avait dit. Alisema kwa sababu ya mioyo yenu migumu. Il a dit à cause de votre cœur. Et moi je dis, c'est lui qui va laisser sa femme et épouse une autre femme. Il commet l'adultère. Et c'est lui qui va épouser la femme des délaissés. La même chose aussi, c'est un adultère. Maman. Munapoolewa. Vous qui vous mariez, vous êtes marié avec le mari d'autrui, qui a laissé sa femme et ses enfants, il se promène avec ses péchés. Et toi, tu vois un bel homme, tu dis c'est celui-là. Oh, c'est l'homme que j'ai demandé depuis longtemps. C'est Dieu qui m'a donné. C'est le mari d'autrui. Ce n'est pas le tien. Laisse-le. Va chercher le tien. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la parole de Dieu. Respectez. On m'a sorti de là. Pour finir, parce que je vais arrêter. On m'a montré ici sur terre. J'ai vu les ténèbres, l'obscurité comme la nuit. Dans cette ténèbre, j'ai vu des choses qui se promenaient comme des cochons. Des cochons qui mangeaient la saleté. Ça se promenait dans la boue. Ce qui montait au-dessus d'autres cochons. Ils se battaient. Ils m'ont posé la question, c'est quoi? J'ai dit, ce sont des cochons. Il m'a dit, ça, ce ne sont pas des cochons. Ça, ce sont les gens que tu as laissés sur terre. Regarde comment est-ce qu'on vous voit. Et ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ce sont les pécheurs et les païens. Un pécheur, que tu sois beau, que tu manges bien, que tu t'habilles bien, et tu te peignes correctement, que tu t'habilles bien, que tu aies des bijoux commençant du cou jusqu'à la tête. Aujourd'hui, on met des piercings partout. On cherche la beauté. Ça, ce n'est pas encore un péché. Regarde la beauté intérieure. On m'a dit, regarde le pécheur. Pécheur, peu importe ce que tu fais, si tu n'abandonnes pas tes péchés, Dieu te voit comme un cochon qui mange la saleté. Un pécheur n'a pas de l'estime devant Dieu. Ton nom n'est pas au ciel. Dieu te voit comme ça sale. J'ai beaucoup pleuré avec mes larmes. Il m'a dit, regarde. J'ai vu quelque chose comme étant la peau, comme ressemblant à la peau d'une vache qui pourrissait. Il m'a posé la question, c'est quoi? J'ai dit, c'est la peau d'une vache qu'on a jetée là. Il m'a dit, non, ce n'est pas la peau d'une vache. Regarde, c'est ton corps. Angalia. Regarde. C'est très amer. Dione.
Regarde-toi. Lorsque tu t'habilles bien, tu te peignes bien, tu dandines, regarde la façon dont tu es allongé. Depuis, à partir d'aujourd'hui, sache que ton corps c'est la poussière et tu vas retourner à la poussière. C'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Au lieu de réjouir ton corps, réjouis ton cœur. Parce que le corps va mourir. Le cœur va retourner au ciel. J'ai vu quelque chose d'autre. J'ai vu des petites lumières. Si tu viens d'Afrique, il y a des lampes de pétrole. Nous, on appelle ça comme Coleman. Coloboy, c'est Coloboy. Ce sont des petites lampes. Mais ça éblouit dans la noirceur. Je posais la question. Ces petites lumières là, c'est quoi? Il m'a dit, tu as vu ces petites lumières là qui amènent la lumière dans les ténèbres? Ce sont les chrétiens. Alléluia. Amen. Tumopigie Bwana. Acclamons pour le Seigneur. Wale ni wa Christ. Ce sont les chrétiens. Mukristo mahali alipo. Le chrétien, la façon dont il est. Basi yote uko. Partout où tu es. Unaonekana mbele ya macho ya Mungu. On te voit, Dieu te voit. Hata uwe kandi ya kanyumba kadogo sana. Même si tu es dans une petite maison. Hakuna kura. Même s'il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Lakini wewe ni kura ndani ya ile. Mais toi tu as l'électricité dans cette maison là. Wewe ni kura ndani ya watu. Toi tu as l'électricité autour des gens. Unaona mwangaza unang'aa ndani ya. Dieu te voit comme une lumière, tu luis. Mukristo yuko na valeur mbele ya macho. Le chrétien a de la valeur devant Dieu. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Usijikamate namna ya watu wa dunia. Ne te prends pas comme les gens du monde. Parce que partout où tu vas, dis-toi que Dieu me voit, Dieu me connaît. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi comme il faut que tu te tiennes. Ensuite, il m'a dit, tout ce que je t'ai montré, il y a d'autres que je n'ai pas dit ici. Je parle 3 jours normalement. Je suis à la fin de mon témoignage. Aujourd'hui, je t'ai dit juste une partie. Si tu veux, tu peux acheter les livres ou demander un DVD. Tu vas tout entendre. Mais la chose qui m'a dit, je veux maintenant que tu rentres. Mais le témoignage que je t'ai donné, tout ce que tu as vu, va dire tout le message que je t'ai donné. Promène-toi partout dans le monde. Dis aux gens ce que je t'ai montré. Ne réduis rien. N'augmente rien. Dis tout ce que je t'ai dit. Ne reste pas chez toi à la maison. Ça, c'est le message que je t'ai donné. Deuxième chose, va dire aux gens, lorsque tu pries Dieu, ne prie pas au nom d'une autre personne. Même si c'est un saint. Même si c'est Marie, la mère de Jésus. Peu importe qui. Ne prie pas au nom d'une autre personne. Ne t'agenouille pas devant une statue. Amen. Amen. Va dire ça aux gens. Et lorsque quelqu'un va prier, prie Dieu. Prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus. Et prie maintenant après comme tu veux. Va dire aux gens la troisième chose. Si Jésus est là, tout est là. Lorsque Christ n'est pas là, tout est zéro. Va leur dire. Il a dit à ces gens-là qui m'avaient emmené, ramenez-la sur terre. Ces gens-là m'ont pris. Moi, j'ai poussé un cri. J'ai dit, moi qui dois retourner dans cette saleté-là.
Alors que lorsque j'ai vu mes péchés, je pleurais pour rentrer, pour confesser. Lorsque j'ai vu les gens ressemblant aux cochons, je leur ai dit, même si vous me tuez, je ne veux pas rentrer. Mais par contre, ils m'ont pris par force. C'est comme quand la police canadienne prend, attrape les gens. J'ai poussé les cris. Ils m'ont pris de force. Jusqu'à ce qu'ils m'ont ramené là. Là où j'ai laissé mon manteau. Le manteau était déjà pourri. Il y avait tout plein de mouches. Je regardais, je ne voulais pas regarder. Or. Mais j'ai vu, ils m'ont pris pour me mettre ces manteaux-là. Bien aimé, c'était une grande bataille. J'ai poussé un cri, j'ai pleuré pour qu'on puisse me laisser. Mais ils ont refusé. C'était une grande bataille parce qu'ils étaient deux et ils étaient plus forts que moi, même si j'ai refusé. Mais ils m'ont fait rentrer dans cette peau et du coup je me suis réveillée. Je regarde ces gens là ils n'étaient pas là. Je regarde autour de moi, j'étais seule. On m'avait déjà couvert un drap blanc. J'étais en forêt. Mais j'ai vu que j'étais dans une maison. Ce qui m'a fait pleurer. J'ai vu des asticots sortir de mon corps qui tombaient par terre. Qui se promenaient par terre. Ces asticots-là qui sortent de viande. Qui sortaient de mon corps. J'ai poussé un cri. Normal. J'ai pris force. Je me suis levé. Je me suis senti bien. Je me suis rappelé de ce que j'ai vu. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je me suis rappelé que j'avais lu mon dossier. La première chose que j'avais dit, donnez-moi une Bible. Quand ils m'ont donné la Bible, j'ai vu les écrits que j'avais lus dans mon dossier. Les écrits étaient là. J'ai commencé à lire. Je me suis dit, mais comment? Donnez-moi un autre livre. Ils m'ont donné un autre livre et je regardais. J'étais capable de lire ces écrits. Les gens étaient étonnés. D'autres pleuraient. D'autres étaient dans la joie. Je leur ai dit, laissez-moi. Je vais vous dire ce que j'ai vu au ciel. Je vais vous donner mon témoignage. Je leur ai dit, allez me faire baptiser par immersion. Parce qu'on m'a dit que le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Et on m'a baptisé par immersion. On était nombreux. Tout le village a cru en Jésus. Les gens sont venus à Christ. Les gens se sont fait baptiser par immersion. Depuis ce jour-là.
Je me suis levé. Je pars prêcher partout. Je témoigne ce que j'ai vu. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Un mois passé. Au mois d'août. Oh, ça faisait 40 ans. Ça fait 40 ans que je témoigne cette chose. Peut-être que vous n'étiez pas encore né. Parce que ça s'est passé il y a 40 ans. J'essaie de regarder, voir s'il y a quelqu'un. J'ai commencé à dire les choses que j'ai vues. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne me fatigue pas. Je ne m'assois pas. Comme tu me vois là. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Mon travail, c'est de me promener partout. De la façon que Dieu me donne. Depuis ce jour-là, bien-aimé, yes. J'ai cru en Christ. Nasema, si je parle, niko mukristo, je suis chrétienne, j'irai au ciel. Mimi si mukristo wa jina. Je ne suis pas chrétienne de nom. Mimi si mukristo wa kufanya Biblia hivi. Je ne suis pas la chrétienne qui nettoie Mimi la si Bible. Mukristo wa dimanche tu. Je ne suis pas une chrétienne Lakini de dimanche. Niko mukristo, ninayekwenda mbinguni. Je suis chrétienne et j'irai au ciel. Kwa sababu gani? Pourquoi? Niliona. Parce que j'ai vu. Nilisiki. J'ai entendu. Nilitembe. J'ai marché. Na ninaposema. Et ce que je dis. Nina uhakika wa mambo ninayokuambia. Il faut que tu crois en ce que Ukipenda, je t'ai dit. Twende mbinguni. Si tu veux qu'on aille au ciel. Usipopenda ubaki. Si tu veux, tu peux Lakini rester. Lakini mimi niliamua kwenda mbinguni. Mais moi je me décide neno la au ciel. La deuxième chose. Nilipoamka pale. Lorsque je me suis réveillé là. Niliangalia. J'ai regardé. Sikuona mtu. J'avais vu personne. Tout le monde était parti, m'ont abandonné. Même mon mari m'avait laissé. Ma famille m'avait laissé. J'étais avec, on était à 7. Même père. Mama moja. Même mère. Baba moja. Ils m'ont laissé, mes frères et sœurs. Mon mari. Nous nous sommes mariés. Il m'a laissé. Mes amis m'ont laissé. Pourquoi? Parce que je pouvais. Bien-aimé, tu n'as pas de vrais amis, rafiki. Tu n'as pas de vrais frères, hauna mama. Tu n'as pas de vrais mères, hauna baba. Tu n'as pas de vrais pères. Hauna mume. Tu n'as pas hauna de vrais maris, tu n'as pas de vraies femmes. Tous ceux-là, ce sont des voisins et des voisines. Parce qu'on a un vrai frère. Celui-là qui ne peut pas nous laisser. Même si nous poussons. Même si nous pions. Il est toujours proche de nous. Il dit bien, mon enfant. Oh, Jésus. Yes, oh Christ. Jésus Christ. Una yes. Tu as Jésus. Una yot. Tu as tout. Ukona yes. Tu as Jésus. Ukona yot. Tu as tout. Hallelujah. Amen. Hauna yes. Tu n'as pas Jésus. Uko masikini. Tu es malheureux. Unapashwa kuhurumiwa sana. Et on doit te pardonner. Yes, oh Christ. Jésus. Ambaye hasiki yake harufu di. Hata kama una nuka. Celui-là qui ne sent même pas la mauvaise odeur, même si tu sens mauvais. Ugonjwa wa kuambukiza. Même si tu as une maladie contagieuse. Même si tout le monde t'abandonne. Mais Jésus-Christ est à côté de toi. Anasema njoo kwa. Il dit, il est là. Et nous devons le chercher. Sans Jésus, il n'y a rien. Allons-y au ciel. J'ai presque fini. Depuis ce jour-là, j'ai dit, j'irai au ciel. Et j'irai au ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Que tu ne sois pas un chrétien de nom. Je suis chrétien qui ira au ciel. Allons-y au ciel. Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Combien veulent aller au ciel? Oh, Mungu awabariki. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu awajalie neema. Mungu awasaidie. Que Dieu vous aide. Fanya hivi ni rahisi. Faire ça, c'est bien. Lakini kuacha dhambi. Abandonne le péché. Ni vigumu sana. Ne pas abandonner le péché. Acha dhambi. Abandonner, c'est difficile. Twende. Abandonne le péché. Twende mbinguni. Allons-y au ciel. Mimi nitaenda. Moi, j'irai au ciel. Parce que je suis sauvé. Que Dieu vous bénisse. Fermons les yeux. On va prier.